début de la rencontre dans un instant. Ici, Alal Mazuka. Et c'est parti pour cette deuxième journée de Likimoli Star League sur les antennes de LNH TV. Deux équipes ce soir, deux états d'esprit confirmés pour les Cristoliens face à l'USDK. Après cette victoire face à l'USDK, ils cherchaient une première victoire en Likimoli Star League. Pour Saran, eh bien réponse dans maintenant 60 minutes. C'est parti. On a vu le tir extérieur un peu compliqué. Et le deuxième arrêt, ça y est. Prochaines minutes, les prochaines secondes, peut-être avec Eman qui trouve au pivot. Et ben on parlait de Roucoulette, la voici. Et voilà. Ouverture du score pour Saran. Ouais, belle finition. Ça décale, bien récupéré. Belle défense là, ça remonte rapidement. Sissoko. Ouais. Ah, ouh, oh là là, quel arrêt de Potier. Ouais. Et là, dommage pour les Cristoliens. Lopez qui attrape pas son ballon alors qu'il était tout seul en pivot. Ah, et Giblin derrière. Quand il est lancé, si personne ne touche. C'est compliqué. Ici à Saran. Eman qui va chercher le shoot. C'est la lucarne, magnifique. Là, le Mazuka. Ah ouais, quel 1 contre 1 là, quel 1 contre 1 de Mozindi. Et il y allait tout seul parce qu'il y avait vraiment de l'espace dans cette défense. Et là, ça peut être le plus 2. Oh, le bel arrêt. Voilà, c'est un peu poussif aussi du côté de Créteil. Grosse défense des Saranais aussi. Hein. Peut-être le 8ème là, justement, avec les Cristoliens à l'attaque. Et le voici, le 8ème but. Donc il faut aussi que les joueurs se mettent un peu dans le tempo. Ça, un peu plus de fraîcheur. Oh là là, celui-là, il est sublime. En pleine lucarne. Couramont. Ça commence à s'accélérer, ça devient un peu fou. Oh, bel arrêt, quel arrêt encore. Le Gauthier. Les Sceptors qui avait pourtant un plus 2 il y a quelques minutes. Eman l'Alsacien qui vient trouver. Oh, oh magnifique. Au vestiaire avec peut-être un plus 2. Eman pour le shoot. Oh dommage, ça passe quelques centimètres au-dessus, mais là, là ah, il s'est fait mal. Il a dû se faire très très mal. J'espère que ça va, il revient bien sûr en plus. C'est des Cristoliens hein, qui l'aident à. A regagné le banc. Ah, on l'a entendu, après on l'a pas forcément. Oh là là ! Et ils vont le chercher ce plus de pile avant la fin de cette première période. La faute. Et au coup de sifflet. Sabanievich qui va chercher le shoot. Oh, oh là, la Lucas là, là, là. La remontée de balle rapide. Des Cristoliens qui viennent égaliser. Encore une fois avec Mario Lopez. Et derrière là, Robbins qui arrive quand même à venir tromper. Dylan Soyer, oh là par contre là, il va y avoir sûrement sanction. Facile à Saran de trouver une solution. À un de plus offensivement. Ouais, bien vu, belle lecture de jeu encore de Robbins. Il y a de la place hein, justement. Giblin il survole le secteur central quand il est lancé comme ça. Et pour l'instant les gardiens ils n'ont pas trouvé la solution. Pour Johan Giblin ce soir, 67% de réussite. Mario Lopez hein, qui rentre dans le top, top buteur, 4 buts, 100% de réussite pour l'ailier. On l'a vu hein, bien aux formes hein, depuis ce début de seconde période. On entre en deuxième pivot de Lopez. Ah, dommage. Là on l'a cherché. Ouais. Oh oui, oh, la passe laser pour Aman. Giblin qui va chercher le shoot bien sûr. Oh là là, il est inarrêtable quand il est comme ça. Boutorat. Ah dommage, il a essayé de jouer au pivot. Pourtant bien tenté. Ça va être compliqué, relance rapide et le but. Ils en ont mis deux en quelques minutes, quelques secondes même, peut-être. Oh oui, cette fois-ci c'est dedans. Oui. Il faut shooter. Ouais, belle solution là. C'est dedans. Elle décide de ne pas arrêter le temps. Ah oui. Ouais, belle finition là. Donc voilà, important pour eux là. Deux matchs accessibles et ils prennent 4 points. Deux hommes en forme hein, du côté de Créteil, Valentin Aman et Johan Giblin. Ouais, et encore une fois l'arrêt pour finir totalement en beauté. Ouais. Dylan Soyer. Ouais, ils ont le droit de fêter bien sûr, deux victoires en deux matchs. Ouais, bien sûr, c'est important. Très bon début de saison pour eux.